Est-ce qu'on te connaît qu'on peut utiliser le smartphone qui est dans mon lan pour scanner n'importe document? On voulait madame, est-ce que c'est ça qu'on paye 25 gouttes pour faire dans le cybercafé? C'est exactement ça. Et c'est ça que nous allons montrer aujourd'hui avec smartphone ou avant de commencer, forme du tout, n'oubliez pas like page, abonnez à la chaîne YouTube, là, partagez vidéo, like vidéo, invitez famille ou amis ou faire ça tout ça. N'oubliez pas, son contrairement à vous nous faire. Ma bon contenu, ou même, wap bam like. Premier bagaille pour faire, c'est que si vous utilisez un téléphone Android pour aller sur Play Store, si vous utilisez un iPhone pour aller sur App Store. Dans le cas maintenant, je vais utiliser un téléphone Android pour aller sur Play Store. Lorsque vous arrivez sur Play Store, vous allez chercher pour une application qui est EduBiscan. L'app mène exactement sur l'application que vous regardez dans l'écran. Vous allez cliquer sur Install. Si le téléphone en français installé, pour capable installer l'application sur le téléphone. Lorsque vous installez l'application sur le téléphone, vous allez chercher parmi la liste d'applications et puis vous allez ouvrir. Leur premier connecté sur l'application, premier écran là-bas où c'est écran ça, côté que l'a demandé ou pour connecter sur lui. Faut que vous connectez pour que vous capable d'utiliser fonctionnalité application. Si vous sommes capable d'utiliser un téléphone, alors application offre 4 options pour connecter à lui-même. Première option c'est vous capable connecter avec compte Google ou deuxième option capable connecter avec Facebook ou troisième option c'est option pour connecter avec compte Apple ou. Et puis dernière option c'est petit partie que vous regardez en bas qui marqué sign ou sign up qui permet de connecter sans yon dans trois options ça qui en l'air. Alors si vous sommes cap utiliser un téléphone Android, sauf si vous avez installé l'application sur le téléphone, c'est sûr et certain que vous avez gagné un compte Google qui connecté, un compte Gmail qui connecté sur le téléphone. De même tout, si vous avez utilisé un iPhone, si vous avez téléchargé l'application, c'est sûr et certain que vous avez gagné un compte Apple qui connecté sur le téléphone. Donc, dans le cas, le fait que je vais utiliser Android, je choisi la première option. Ou même quand vous utilisez iPhone, vous avez toujours choisi la troisième option. Pour rendre la vie en plus simple. OK? Moi, je choisis Signing with Google parce que je vais utiliser Android. Donc, je choisis qui compte que je voulais pour me connecter. Hein? Et de là étant, Living ben moins écran ça. Quand il y a là, l'arrivé sur écran ça, ou appliquer sur Let's Go. Application probablement dit ou permission pour le capable prendre photo et puis prendre vidéo. Donc, on suppose que la permission pour le faire ça, otherwise, ou pas capable utiliser. Ok. On va utiliser document, feuille ça qu'on voit devant moi là, comme exemple pour montrer comment l'application a fonctionné. Mais avant de montrer comment il fonctionnait, on regarde quelques options que l'application a offert lui-même. Application offre option pour scanner whiteboard, ça veut dire un tableau blanc. On dit par exemple si que vous avez besoin de scanner pour ta classe et puis pour professeur aller même lui écrire quelques bagages sur tableau hein, et que vous pas bien temps pour copier ou pour scanner tableau. Il offre option pour scanner forme, pour scanner document, pour scanner business card, etc. Dans le cas nous, nous allons scanner un document ensemble avec lui qui c'est et feuille blanc ça qu'on voit devant nous qui gagne quelques informations écrites sous lui. Donc, soit choisissant ou supposé ou elle paraît bleu. Option choisissant supposé paraître bleu. On est capable de choisir document, il paraît bleu devant nous. On va pouvoir bien positionner le téléphone moins sous lui. Et en plus, on va make sure que fait la bien étirée. On va pouvoir que l'icône de l'autre. Tap the screen when you're ready to scan. Ça veut dire que cliquez sur l'écran lorsqu'on est prêt pour scanner le document. Moi-même, quand on y a, nous faisons clic sur l'écran. Ok? Et puis, on va regarder l'intelligence artificielle qui est dans l'application. On va essayer de localiser 4 points feuilles là pour que vous soyez capable de bien prendre photo. Now, lorsqu'on est bien prend, on va cliquer. Si vous sentez mal prendre, on va cliquer sur l'option qui est le 8 éclats. Si vous sentez bien prendre, on va cliquer sur Continue. Si vous sentez bien prendre pour moi, on va cliquer sur Continue.
Si vous avez un deuxième document que vous voulez scanner encore, vous quittez la scanner deuxième document. Si vous n'avez aucun document que vous voulez scanner, c'est fini. Vous cliquez sur document et voilà mes documents, comment les scanner vous. Je vous montre, pas extraordinaire. Hein? Et même document ça, que le fin scanner vous, hein? Vous êtes capable de sauver document ça en tant que PDF. Ok? On va sauver document ça en tant que document PDF. On dit que si je veux transférer document ça à un monde, ok? Mes documents ça, qui lui-même déjà sauve en tant que un document PDF. Donc, on cache le document ça avec un monde, par exemple sur email. On va laisser cher document ça sur email moi, pour pas ouais. On va laisser cher document ça sur Gmail. Ok? Now, ba mal sur email moi pour mal ouvrir document ça. Et voilà. Mes documents que moi à peine sont scannés que moi été cher là. Donc je pense que c'est vraiment intéressant. Probablement, si vous avez utilisé l'application pour la première fois, je pense que vous avez joué quelques petites difficultés, parce que nous c'est monde. Quelque chose ça vous a fait pour la première fois, il y a quelques petites difficultés qui présentent à vous-même. Donc, n'importe quoi à joué comme difficulté qui t'a, que vous n'avez pas surmonté, pas hésiter, écris en commentaire ou bien écris en privé, écris quel que soit moyen de joindre. Et puis, c'est un plaisir pour moi pour m'aider. Non, pas oublier que c'est pour nous, ma travail. Donc, satisfaction, c'est ouais, nous-mêmes, nous satisfaits. Merci à tout le monde qui regarde la vidéo. Pas oublier like page, là, abonner à la chaîne là, et surtout like vidéo. Là, c'est important. Le lot d'amis ouais, pour like vidéo. Là, donc, il y a pour que vidéo ça, son vidéo qui est intéressant. Ça a plus intéressé pour regarder la vidéo. Merci à vous.